Gripsek, j'ai besoin d'entrer dans Gringotts, dans une chambre forte. C'est impossible. Tout seul, oui. Avec vous, non. L'épée de Gryffondor est mon prix. Gripsek, cachez-vous sous la cape d'invisibilité. La chambre de Lestrange renferme un Horcrux. Il faut le trouver. C'est le seul moyen d'éliminer tu sais qui. Hermione, comment on va détruire les Horcrux si on donne l'épée à Gripsek? Il ne nous aidera pas sans elle. Et puis, il ne l'a pas encore. Hein? C'est bon? L'effet du polynectar n'est pas éternel. J'espère qu'Harry sait ce qu'il fait. Madame Lestrange, en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais voir ma chambre forte. Voulez-vous me montrer votre baguette? Et pourquoi ferais-je ça? Ils savent que ce n'est pas Bellatrix. On les a prévenus. Impero! Très bien. Si vous voulez bien me suivre... C'est quoi? Devant nous! J'aurais dû m'en douter! Gripsek? Qu'est-ce que c'est? Hermione! Ron! Vous êtes redevenus normaux! Quoi? La cascade des voleurs! Elle efface tous les enchantements! Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez tous ici? Garde! Impero! Rendez-vous à la chambre forte, Harry Potter! Gripsek et Bogrod vont prendre le trajet le plus direct pour la chambre forte. On doit se débrouiller pour les rejoindre. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fou Games et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la saison, pour notre saison 8 et ultime saison de notre saga magique sur Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 sur PC. J'espère que vous allez bien. Ça va faire maintenant 2 ans, ouais, facile, qu'on a débuté cette saison le 1er janvier, je me souviens, 2017, je crois, il me semble, si je me souviens. Donc, voilà. Donc, on est enfin dans cette ultime saison. Je fais un petit rappel, comme pour les... Il se trouve que lorsque j'ai fait... c'est la deuxième fois que je fais ce record pour celui-ci et pour l'épisode prochain. Il y a eu un bug dans l'enregistrement, ce qui fait que ma voix n'a pas pris en compte, mais le jeu, oui. Donc, ce qui fait que j'avais récupéré des objets cachés qu'il y a dans le jeu. Je les ai déjà récupérés. Donc, et le problème, c'est que quand tu désinstalles le jeu et que tu le remets, les objets restent. T'indiques toujours parce que les données sur PC, bon bref, c'est pas grave. Je vais simplement vous indiquer où elles se trouvent, mais sans plus. Donc voilà, j'ai pu récupérer tous les objets. J'ai juste fait les deux premiers niveaux du jeu, hein, ce qui fait que c'est pas beaucoup pour ce qu'il y a, vous avez pas trop loupé grand chose. Donc on est à la suite directe de Harry Potter 7 partie 1. Donc voilà, donc le premier objet, il se trouve ici. Hein. Il est ici. Donc voilà, donc c'est des objets du genre, tu débloques des personnages ou des musiques ou des... Voilà, c'est un peu ça. C'est des collectables. Donc, nous sommes à la suite directe, donc nous avons... nous nous sommes échappés donc, du manoir des Malfoy. Dobby s'est sacrifié, est mort, a été tué pour nous sauver. Et donc nous avons appris qu'il y a un Horcrux dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange. Et que cet Horcrux se cache là-bas et donc on a besoin d'utiliser donc pour mener l'échange pour que Gripsek nous montre la voie. Il veut l'épée de Godric Gryffondor qui, je rappelle, est une épée forgée par des gobelins. Donc voilà, donc bien évidemment si on donne en échange l'épée, ça va être un peu compliqué niveau scénario, on sait comment on va s'en sortir. Donc déjà le jeu est un peu plus joli graphiquement que cette partie 1, hein, très clairement. Il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus nerveux en termes de visée, de gameplay, vous allez comprendre pourquoi. Alors juste 2 secondes, visée auto, aucun. Voilà, parce que la visée moyen, ça va cibler automatiquement en partie l'adversaire. Donc voilà, je préfère... Donc je suis en mode avancé, non en difficile. Donc voilà, il y a un autre objet ici normalement.
Je suis en mode normal, parce qu'il n'y a pas le mode difficile dans ce jeu, sauf si tu termines le jeu une fois, donc c'est dommage. Ça aurait été plus sympa de le proposer directement en mode difficile. Ça m'aurait donné un peu plus de challenge déjà, donc voilà. Donc on va se mettre à couvert. Donc le gameplay est très similaire au 7 partie 1. Pas grande différence. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus cette histoire de jauge d'XP qui servait à rien, parce que à chaque fois que tu augmentais tes sorts, bah, l'adversaire se mettait en équilibre au tien. Ce qui fait que tu changeais pas grand chose. Quoi d'autre, il n'y a plus les potions. Et ce qui est bien dommage, parce que les potions étaient vachement pratiques quand même. Donc voilà, donc c'est comme les Gears of War, bien évidemment, comme pour le 7 partie, on peut lancer des sorts à couvert. Donc j'arrive plutôt à bien me débrouiller, je vais pas vous mentir. Hop. Les voleurs. Allez, cache-toi. Hop, voilà, ça c'est. Donc, faut juste que viser le centre et après espérer de le toucher. Bon, ça me gonfle. Donc voilà le mode visé. Donc le gameplay est un peu plus mieux et beaucoup mieux. C'est pour ça que j'aime plus cet épisode que cette partie. Donc la visée est un peu mieux faite quand même. Alors je vais surtout tirer hein, comme ça. Ou en mode visée précis, mais ça sera vraiment quand la personne sera loin, quoi. Donc voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Donc bien évidemment en termes de gameplay, les touches sont retravaillées pour les sorts. Il n'y a plus l'histoire de roulette de sorts. Enfin allié, sauf qu'il n'y a pas à maintenir, ça sera. Les sortilèges sont assignés aux touches, tout simplement. Alors, ça paraît bordélique, mais je vous assure que c'est plutôt facile. C'est pas compliqué. Donc, les niveaux en soi ne sont pas très très longs. Les niveaux dans Harry Potter 7 partie 2 ne sont pas très longues. Comment dire ? On l'a échappé belle. Les niveaux dans ce jeu ne sont pas très longs, donc ce qui fait que ça va être. Je vais faire comme pour le 7 partie 1. Le Harry Potter 3, pardon. Donc par petit segment, on va dire. Donc ça sera par petit segment et les épisodes individuels, on va dire. Mais de temps en temps, si c'est vraiment trop court, bah, j'enchaînerai avec le niveau suivant. Et en fonction du scénario qu'on aura avancé, bah ça sera le titre, quoi, tout simplement. Je vais faire un peu comme le même principe dans le Harry Potter 3. Tout simplement. Donc voilà, donc déjà vous avez remarqué, le gameplay est un peu mieux quand même. On peut sprinter à l'infini cette fois-ci maintenant, il n'y a plus la jauge d'endurance. Donc c'est pas plus mal. Je vais prendre mon temps, hein, bien évidemment, même si il n'y a pas vraiment de découverte. Le 7 partie 1 avait un avantage, un petit avantage on va dire, c'est le côté un peu exploration, semi-exploration, je dis bien semi. Donc voilà, et c'est déjà beaucoup plus joli, vous pouvez le remarquer. Ça vient d'où cette fumée? Bonne question. Il n'y a pas de feu ici, hein? Je crois pas. Alors, il se peut que durant les cinématiques de ce jeu, les voix buguent un peu, c'est-à-dire une voix. À un moment donné, la voix de Harry va passer de la voix un peu aiguë à la voix grave ou inversement. Je vous rassure, ça ne vient pas de votre PC, ça vient du jeu. C'est un bug, c'est tout. Donc, voilà, donc, le principe est toujours le même que dans cette partie 1. Hein, c'est un beat'em up. Hein. Hop, allez, dégage, voilà. Donc en mode normal ça va, je me défends plutôt bien. On recevra un peu plus de points de vie, hein. Déjà on sera plus sensible déjà. Mais c'est faisable. Donc voilà, donc ça va pas être une aventure très longue je pense. Allez, je vote, allez, 7 épisodes, allez. 7 ou 8 épisodes comme pour le 7 partie 1. Donc voilà. Après cette aventure, je vous avais dit à la fin du 7 partie 1 que je vous ferai un autre let's play en parallèle. Comme je le fais, donc il y a. Étant donné qu'on a terminé The Evil Within, on fait Bayonetta. Mais à la place de Bayonetta, à la place de. Quand on aura terminé celui-ci, je vous propose une autre saga. Beaucoup plus longue aussi. La série des Batman. Voilà. C'est officiel, je vous ferai la série des Batman. Je sais que c'est pas des jeux qui sont très longs. Bah, ouais, ça fait 16-17 épisodes au moins. Sauf si je prends mon temps. Et donc voilà, donc ça sera plutôt facile, on va dire. Donc là on a un nouveau sortilège, c'est le Protego qui est 100 fois meilleur. 100 fois meilleur que celui du premier où il fallait vraiment pas bouger. Donc si on active le sortilège, si on lance le sortilège avant que le sort l'attaque, voilà, ça fait ricocher, ça tombe sur l'adversaire. Et bien évidemment on perd un peu plus de vie. Wow, ok, on va se mettre à couvert. Hop, on va se mettre à couvert. On va se mettre à couvert. Je me suis un peu laissé emporter. Allez, montre ta tête.
Inutile de vous cacher. Allez, dès que tu lances ton sort, je sprint. Donc voilà, donc c'est pas si difficile, c'est comme le 7 partie 1. Hop, mets-toi à couvert. Hop. Alors l'avantage c'est que comme je sais plutôt bien viser, la visée dans ce jeu est mieux faite au 7 partie 1, au moins quand on vise l'adversaire de ce type. Vraiment quand on est à couvert et qu'on le vise, ça va, j'arrive plutôt à bien gérer. Après je varie. Bien évidemment le sortilège, c'est ça l'avantage comparé au 7 partie 1, c'est que quand on lançait un sort, il y avait un temps de recharge on va dire pour lancer le sort, ce qui était assez lent et chiant. C'est pour ça que le stupéfix c'était le sortilège le plus facile à prendre et à bourriner. Là dans ce jeu, plus on vit, plus on tire, plus la visée se brouille tout simplement. Donc voilà, donc c'est ça l'avantage. Donc il y a un objet qui se trouve de ce côté là. Faut juste avancer et monter. Je ne vais pas le chercher parce que je l'ai déjà pris. Donc je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais ce record, donc je sais ce qu'il faut faire, je connais par cœur. C'est un jeu que je connais plutôt par cœur comparé au 7 partie 1 que là où c'était un peu la semi-redécouverte. Franchement, Ron, Harry, on doit continuer. Il faut que tu trouves un autre moyen de descendre. Voilà, bon, il y a eu une semi-coupure, vous avez dû voir. Donc voilà, donc l'objet se trouve par ici, c'est un symbole. Donc voilà. Donc on est parti, on va aider nos potes. Bien évidemment, il y a des petites, mais vraiment mini nouveautés du genre dans les combats. Notamment dans les combats de boss. Vous savez qu'on comprendrait plus tard dans l'histoire. Allez. Allez, dégage. Ah mais tu, allez, meurs. Voilà, t'inquiète, je gère. Ah putain, la visée. Stupéfix. Hop, dégage. Attends, je vais m'occuper de toi parce que tu m'énerves. Hop, voilà. Alors j'essaie de bien viser. Je crois que j'ai un peu augmenté la sensibilité, mais un peu trop à mon avis. Ok. Donc bien évidemment on va avoir plein d'autres sortilèges. Alors je vais juste légèrement baisser la sensibilité. Bon, ok, elle est au milieu. Ok. Bon, c'est juste pour baisser un petit peu. Je disais d'essayer de descendre. Allez. Hop, c'est bon, je t'ai eu. Ah putain, y a pas. Allez, meurs s'il te plaît. Bon, par contre, l'IA dans ce jeu, elle est très bête. Elle est vraiment très bonne, très conne. C'est que les compagnons de Harry et de Ron sont... De Harry, donc Hermione et Ron sont inutiles. Hein. C'est toi qui fais tout le taf. Si franchement ils en tuent un, c'est le miracle. Et puis il y a ouais, donc tu fais tout toi-même en fait dans le jeu. C'est ça qui est un peu dommage. Alors que dans cette partie 1, même s'ils utilisaient qu'un seul sortilège dans le jeu, au moins ils avaient l'intelligence, on va dire, de faire plus de dégâts que là. Et de tuer, tout simplement, de tuer les mange-morts. Hop, voilà. Oh, il y a des potes. Hop, voilà, c'est cadeau. Donc, voilà. Donc, on est parti. Donc, on va avoir des moments où, justement, bah voilà, comme elle fait Hermione, elle va devoir ouvrir des portes et nous on va devoir la protéger. Ça va pas être facile pour certains moments, je vais pas vous mentir. Donc il faut la protéger, donc il y a une jauge de vie qui vient de tout juste apparaître. Non. On va essayer de bien faire par contre parce que si on perd là maintenant ça va être chaud. De là, hein. Oui, t'inquiète, putain, elle a déjà plus de vie, c'est incroyable. Hop, la doublette. Ah, bonjour monsieur. Oh, tu spammes toujours autant dans ce jeu, hein. C'est toujours assez drôle. Génial. Viens, bon, très bien, elle a libéré la porte. Oh là. Et évidemment la mise en scène est un peu mieux travaillée comparée aux 7 parties 1. Ok, et il se trouve qu'il y a un autre objet, c'est le dernier, mais
C'est... Eh, ils sont cachés... Je crois qu'il est caché là, je crois. Ou après. Il est caché dans les portails. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas d'issue. Oh, oh, oh. D'où tu m'attaques? Hop, allez, monte ta tête. Voilà, donc l'objet... Voilà, le dernier objet, il est là-dedans. On rentre dedans, on a juste à passer dessus. Alors, et... Voilà, la garde de sa chambre forte. Hop, on va se mettre à couvert. Alors aussi on a des petites flammes dans le coin. On irait pas plus loin. Hop voilà, donc si on tire sur les flammes, c'est comme les bidons d'essence dans les jeux. Une fois qu'on tire dessus, ça explose. On perd un peu plus de points de vie. Putain. Hop voilà, c'est cadeau. Hop, on va se protéger à temps. Voilà, ça c'est cadeau. Donc voilà, donc l'objet il est ici, hein, normalement. Voilà, si ça s'illumine, je pense que c'est voulu, à mon avis. C'est pour dire qu'il y a un objet normalement de base. Bon, tout de même, vous avez rien loupé en soi. C'est vraiment des petits collectables, hein, donc c'est comme pour cette partie 1. Hein, c'est des objets qu'on trouve et qu'on ramasse pour le score, hein, tout simplement. Hop, allez, bouffez tout ça. Voilà. Rejoins la chambre forte. Voilà. Donc ça va être des épisodes plutôt courts, si je puis dire. Donc allez, 25 minutes, allez, facile. Surtout, en fait, il y a des niveaux qui sont plus courts que d'autres, en fait. D'autres, c'est des niveaux juste où il y a un seul boss et plus de cinématiques qu'autre chose. Donc on avisera sur le moment, hein, tout simplement. Elle vient d'où, cette fumée ? C'est moi ou... Il fait chaud ici. Ça sent le brûler, non ? Attendez. C'est pas un feu normal, ça. C'est... Un dragon ! Un dragon ! Je le savais ! Alors ça, c'est le dragon qu'il y a dans le film et dans le bouquin également. C'est un panse de fer ukrainien, donc c'est dit dans le film, hein, et dans le livre aussi, je pense. Donc, voilà, donc c'est le gardien, tout simplement. Bon, on va pas l'affronter, je vous rassure. Mais pas moins dangereux pour autant. On n'a pas le choix. Il faut qu'on réussisse à passer. Ripsec devrait nous attendre de l'autre côté avec Bogrod. J'y vais le premier. Éviter les flammes, ok. Bon là c'est vraiment la petite face tranquille, hein, on va dire. Attends, on va attendre que ça passe. D'accord, si tu veux. Ok. Bon il est pas compliqué le jeu, hein, très clairement, c'est classique. Attention Harry, il est en pétard. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Hop, on fonce. Ça va. Lance des sorts sur les objets à proximité du dragon pour détourner son attention. Ok. Allez, on avance. Là-haut, l'Horcrux, la coupe d'Elga Poufsouf. Ah, ça brûle. Ils ont utilisé les sorts de Gemino et de Flagrance. Tout ce que nous toucherons brûlera et se multipliera. On va être ensevelis. Vite. Harry, comment on va atteindre la coupe? L'épée. Continue. Harry, allez. Ça y est! Et notre marché, Gripsec? Je vous ai fait entrer. Je n'ai jamais rien dit à propos de vous faire sortir. T'as une idée, Hermione? Lâche le bas! Allez!
C'était génial! Terrifiant, mais génial! Il descend! On devrait sauter! J'ai vu Voldemort. Il sait qu'on cherche les Horcruxes. Tu t'es laissé faire! Harry! J'ai pas toujours le choix. Bref, il y a un Horcrux à Poudlard, en rapport avec Serre d'Aigle. Il faut qu'on aille voir. Pas si vite. Je crois que tu oublies Rogue. On va nous attendre. Allons à Priolar, chez Onedux, le passage secret de la cave. Ça va, Harry? Ça fait bizarre de revenir ici. Ça va aller, Harry. Allons chez Onidux et essayons d'entrer dans Poudlard. Bien! Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 1 de Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 sur PC. J'espère que vous allez... Putain, j'allais parler comme si je faisais une intro. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, ça sera des épisodes de ce genre assez courts, avec... si c'est plutôt complet, on va dire... ça va être à peu près comme ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi j'enchaîne directement à la suite parce que mine de rien c'est quand même court. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus tout le monde.